Thank you.
parce qu'il le mérite. Tu crois que Yeshua mérite toute ta gloire? Ils sont passionnés, passionnés de Jésus de Nazareth. Dans ma vie, même le dernier, un jour je le sais. J'ai senti dans mon cœur la joie du Père.
car nous avons tous besoin d'être restaurés. Encouragés. Adonai, tu es vraiment merveilleux. À Saint-Martin, je disais, je ne peux rien faire sans sa présence. Nous ne pouvons rien faire sans sa présence. Mais là, on est tout excités, comme des enfants dans la présence du Père. Dieu est fidèle.
Et on a fait la Guyane, on a fait la Martinique. La Martinique, la Guyane, on a fait Saint-Martin. Et il y a quelque chose de particulier ici en Guadeloupe. Mais ce réveil, on voit tout ce monde à chaque fois que je viens à Tyr. Il y en a qui vont dire, oui frère, c'est quand tu viens que les gens viennent. Mais oui, il y a certaines personnes qui peuvent être idolâtres. Oui, nous combattons cela. Mais il faut aussi avoir l'humilité de se dire, qu'est-ce qui fait que tous ces gens viennent comme ça? Alléluia. Et il y a un travail qui se fait à chaque fois. Et à chaque fois que le Seigneur commence un travail, Jacob, Dieu me montre ça, des portes qui se ferment. Et alors qu'il y a un peuple, il y a un peuple qui a soif. Vous savez, ce réveil est en train de prendre ici et là. Nous étions au Gabon. C'est impressionnant, nous ne sommes pas là sur place. Mais en 8 jours, Dieu nous a permis de faire 324 baptêmes. Des satanistes qui se convertissent devant tout le monde, qui déclarent des homosexuels, des lesbiennes. Et on n'est pas forcément sur place. C'est que des frères et sœurs là-bas ont compris quelque chose. Ils travaillent dans l'unité. Amen. Et on voit le travail percé. Je n'avais pas prévu de commencer par là, mais je me laisse guider par le Seigneur. Amen. Vous savez, il est 23h57 dans l'horloge de Dieu. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a donné cette vision où des horloges tombaient du ciel. Et il y a une grande horloge qui m'a attiré. Et dessus, il était 23h57. Et j'ai vu des anges tomber du ciel et prendre des chrétiens et partir avec eux. C'était l'enlèvement. Le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes en train, pas seulement nous, mais tous les vrais enfants de Dieu, le monde entier, sont en train de vivre le dernier réveil, le réveil de Matthieu 25, qui réveille l'Église véritable. Et en même temps, dans le monde entier, nous sommes en train de voir comment Dieu est en train de disqualifier des gens qui avaient reçu ce message. Et de se servir des gens qui étaient inconnus. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que Dieu n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Et quelques mois après, il y a quoi, 2 ou 3 mois, je suis tombé sur un article. Des scientifiques européens ont fait un article disant que dans l'horloge nucléaire apocalyptique, il nous reste 3 minutes. Ils disent qu'il est 23h57. Ils disent que si les gouvernements ne font rien pour réduire leur arsenal nucléaire, eh bien, là, il va y avoir une troisième guerre mondiale et toute la Terre sera détruite. Le Seigneur me dit, voilà ce que je t'avais montré. Alors qu'il nous reste très peu de temps, ceux qui ont reçu ce message, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent entre eux. C'est qui le plus grand? C'est qui le chef? C'est qui va faire quoi? Qui va faire ci? Qui va faire... On est là, parfois on pleure. Le Seigneur, quel gâchis! Quel gâchis! Et vous savez, frères et sœurs, je n'avais pas prévu de commencer comme ça. Comme vous savez, ceux qui nous connaissent, on se laisse guider à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on entend ici et là. Beaucoup sont passés à côté. Mais beaucoup. Nous sommes actuellement dans l'horloge de Dieu, nous sommes dans Matthieu 25. Les 10 vierges. Il y a le sommeil spirituel, les églises sont malades, les pasteurs qui viennent ici pour prêcher, c'est que pour l'argent. Ça, vous le savez. Amen. Que ça. Mais ceux qui ont reçu ce message, le retour à la parole, préparé pour couper l'église à l'enlèvement, que font-ils? La guerre. Alléluia. Amen. Et je disais la dernière fois que je suis passé par ici, la Guadeloupe est un petit pays. Facilement, vous pouvez l'embarrasser avec la parole de Dieu. Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si
cible, le pays n'est pas encore embrasé, c'est que tout le monde doit se repentir. Dieu veut te dire, tout le monde doit faire une pause, revoir sa vie pour pleurer afin que, je ne dis pas que tous les habitants de la Guadeloupe vont être touchés, non. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui cherchent le Seigneur. Vous savez qu'il y a des vrais enfants de Dieu qui sont en prison, qui cherchent Dieu. Eh bien, vous avez reçu ce message, que faites-vous? Il ne faudrait pas seulement attendre que nous venions pour qu'il y ait des programmes. Vous qui avez reçu le message, vous êtes nombreux, vous pouvez de temps à autre, pas tout le temps, de temps à autre, vous retrouver comme ça pour adorer Dieu ensemble, mettre le feu partout. Alléluia. La division. C'est ce que Dieu pleure. Des frères de Belgique avaient mis du temps pour comprendre cela. Et aujourd'hui, frères et sœurs, le feu est en train de prendre dans toute la Belgique. En Allemagne, c'est pareil. En Hollande, d'où vient notre frère, donc qui est avec nous, qui filme là. Le feu est en train de prendre bien comme il est terrible. Et on se dit, Seigneur, mais les cibles, on pleure pour les cibles parce que c'est petit. Donc, quelqu'un, si tu peux, vous pouvez prendre la dame et pour aller prier pour elle là-bas. Comme ça, je lui ferai une onction tout à l'heure. Parce que plus l'onction coule, plus ses esprits sont excités. On va s'occuper d'elle après. Alléluia. Qui veut voir la bonne vous toucher? L'horloge de Dieu. Le Seigneur est en train de revenir, il est en train de préparer son peuple, préparer son ecclésia. Nous sommes convaincus que nous sommes la génération qui verra l'Église partir. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui reçoivent des visions, des gens qui ne se connaissent pas forcément, des visions et des sons de la part du Seigneur concernant l'enlèvement de l'Église. Des gens de toutes les nationalités, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, des gens qui voient des anges qui viennent les avertir, n'est-ce pas, sur les événements qui vont se dérouler après l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur est en train de nous secouer de plus en plus depuis quelques temps. Comme vous le savez, en novembre 2013, j'étais en prière, j'ai posé la question au Seigneur pour savoir ce qu'il attendait de moi. Il est venu me voir dans une vision, il m'a dit, fais-moi la révision de la Bible. Je vous parle de cela pour vous montrer à quel point nous sommes, mes amis, à la fin. Quand je me suis réveillé, j'ai dit au Seigneur, moi, faire la révision de la Bible. Il me dit oui. Et il fallait sortir 10 000 exemplaires dans un premier temps. Et qui avait coûté 86 000 euros, 83, après 83, 86. Et en 8 mois, le Seigneur a touché les cœurs de frères et sœurs qui m'ont soutenu. Et on a commencé à faire ce travail. Et on a découvert des choses qui nous ont choqués, des choses qui sont cachées, des vérités qui sont volontairement cachées. Et on a découvert également que toutes les Bibles qui sont éditées, à chaque fois qu'une Bible doit être éditée, il faut impérativement qu'il y ait l'accord du comité œcuménique, c'est-à-dire les catholiques et les protestants. Chaque verset doit être
validé par ce comité. Et on a découvert des choses et le Seigneur disait, je permets ce travail pour que mes enfants accèdent à la vérité. On a découvert que des Bibles telles que Martin, Luther-Vald sont pratiquement, n'est-ce pas, inexistantes. On ne le voit pas dans les soi-disant librairies chrétiennes. Pourquoi? Parce que c'est des Bibles qui dérangent. On a découvert des choses, mes amis. Nous sommes choqués. On a tellement été touchés par le Seigneur, dépassés par les choses qu'il nous a enseignées, qu'après la diffusion, l'édition de cette version, la première, il nous a demandé de faire encore une deuxième, n'est-ce pas, révision, et qui va sortir d'ici une semaine et deux semaines, 10 000 autres exemplaires. Et comment le Seigneur finance? En moins de 5 mois, il a donné près de 90 000 euros. Sans la dîme, sans demander la paix, la pression, Jésus mérite vraiment, vraiment la gloire. Et les choses qu'il nous a données à connaître, on ne pourra pas les partager lors de tels programmes. Pour ceux qui le souhaitent, ce serait bien si il y a un endroit qui est, pendant ces 3 jours-là, qu'on mette une école de 3 jours-là, de Didasco, pour que les étudiants, ceux qui elles, veulent la parole, soient formés pendant ces 3 jours. Amen. C'est une proposition que je vous fais. Pendant ces 3 jours, pendant ces 3 jours-là, la journée, je ne sais pas à quelle heure, on va voir avec les frères, on va tout à l'heure essayer de trouver une solution. Donc demain et samedi, et s'il y a un tableau, on va aller dans le grec et l'hébreu, on va aller dans l'histoire, on va parler des corpus, tels que les textes reçus majoritaires et minoritaires, qu'est-ce que c'est, et comment ces Bibles que la plupart sont falsifiées, c'est impressionnant. Juste un exemple, vous savez que Louis Segond, qui a traduit la Bible la plus répandue chez les protestants, les évangéliques, ne croyait pas que Jésus est Dieu. Vous vous rendez compte? Et on va parler de tout ça. Et vous allez voir dans les écrits de la Nouvelle Alliance à quel point Jésus est partout, à quel point Jésus est Dieu. Et on a compris que le Seigneur n'est plus loin parce que la manière dont il nous conduit pour faire son travail, pas seulement nous, mais des frères et sœurs dans le monde entier, des gens qu'on ne connaît pas. Mes amis, on n'a plus de temps. On est venu en Guadeloupe pour vous dire de la part du Seigneur qu'on n'a plus de temps. Ceux qui veulent se diviser, c'est leur problème. Ceux qui veulent rester dans les cantons, dans les histoires, ça c'est leur problème. Vous voulez rester sur terre, c'est votre problème. Moi et ma maison, nous voulons partir au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le train est là, mes amis. L'arche, la porte de l'arche est encore ouverte. Vous savez, quand Noé a demandé aux animaux d'entrer dans l'arche, on n'a pas vu les animaux se disputer les uns les autres. Amen, amen. On n'a pas vu le lion dire au léopard, moi j'ai plus d'onction que toi. Ah, non, chacun pour soi. Le léopard a attrapé sa femme. Allez, on y va, les enfants, on y va. Nous sommes au temps où chacun doit maintenant prier pour la conversion de ses enfants, de sa famille, de tout ça fait pour pouvoir entrer. Parce qu'on n'a plus de temps. Ce qui nous tue, c'est que nous sommes cantonnés dans nos bâtiments d'église ou dans nos maisons d'église, dans nos églises locales. On se cantonne là et on croit que c'est ça le royaume de Dieu. Donc du coup, c'est la guerre les uns avec les autres. Et le Seigneur va revenir, ces églises là vont rester. Je vous dis de la part du Seigneur. Les gens vont se lever. Seigneur, j'avais reçu le message pour toi, la parole, le tirage, tu l'avais reçu. Mais intellectuellement, la vie. La vie. La manière dont Dieu opère. Mais on est choqué. Regardez comment Dieu vous attire ici. Ça, c'est. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Non, c'est pas. Parfois, je me demande, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Je me sens vide. Je vous dis la vérité. Je suis zéro, mais zéro de chez les zéros. Nul. Incapable de concevoir quoi que ce soit. C'est vraiment Dieu qui fait son œuvre. Des gens qui ont des visions, Dieu leur dit, allez prendre la BGC.
Il y a des gens qui disent on ne sait pas ce que c'est la BGC. Et Dieu les conduit, il leur donne des vœux de vie, d'après des vœux de vie. Je vous dis, une jeune fille de 19 ans est venue du Canada le 19 décembre au programme. Et il y a près de plus de 6 000 personnes. Il y en a qui sont rentrés de meilleure place. Il y avait près de 20 policiers civils qui ont compté les gens qui étaient là. Les gens de BFM TV sont venus, tout le monde est choqué. Mais c'est quoi ce mouvement-là? On se dit, mais tout le monde n'en comprend rien. Rien. Et il se passe des choses qui nous choquent. Cette jeune fille est venue du Canada. Je lui demande, comment tu nous as connus? Elle dit, j'étais dans une église, je suis même de sortir de là. Et pendant que je dormais, tu m'as dit, tes vœux de vie. Et je me suis réveillé, j'ai tapé sur internet, TV de vie, et je suis tombé sur les vidéos, et j'ai pris le billet, mes parents m'ont laissé venir, je suis venu. Vous vous rendez compte de ce que Dieu fait, frère et soeur? Il se passe des choses. Il y a des choses que Dieu m'a dit, je ne veux pas le dire devant tout le monde, ça ne sert à rien, mais je vous assure qu'on n'a plus de temps. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas sur nous. Nous ne sommes que des voix qui s'élèvent ici et là. Des voix qui crient, tout ça, et nous crions, mais chacun doit préparer son éternité. Amen. Je vous dis, hein, chacun. Mon fils, un de mes enfants, vient me voir, il a 12 ans, Timothée, il me dit, j'ai une vision, Dieu me disait, il nous restait 3 secondes. Il se réveille comme ça, il veut me voir, il me dit, il nous reste 3 secondes. Regardez comment le temps s'accélère. Regardez autour de vous le nombre de maladies qu'il y a, des maladies qui ne frappaient pas les gens quelques années auparavant. Il y a une augmentation exponentielle des cas d'AVC, de cas de diabète, de cas de cancer, mais n'en parlons même pas, c'est un fléau aujourd'hui. C'est pour nous montrer que, eh bien, c'est fini, on n'a plus de temps là, c'est fini. On n'a plus de temps. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Dieu est bon. La nuit est avancée et le jour approche. Alléluia. Nous parlerons du jour du Seigneur. Qui a déjà entendu parler du jour du Seigneur? Qui n'a jamais entendu parler du jour du Seigneur? Le jour du Seigneur. Paul dit aux Romains, comme je le disais aux frères de Saint-Marc, c'est la Guyane, je crois. Les Romains étaient des chrétiens qui, n'est-ce pas, avaient été évangélisés par des juifs de la diaspora qui vivaient à Rome et qui ont été, n'est-ce pas, allumés, qui avaient reçu le feu du réveil dans Acte 2, lorsque l'église est née. Il y avait les juifs du monde entier qui étaient à Jérusalem ce jour-là et quelques-uns étaient venus de Rome. Et ils avaient reçu ce feu en rentrant à Rome. Ils ont amené ce feu et c'est alors que l'église de Rome est née. Paul n'avait jamais été là-bas, Paul n'avait pas évangélisé ses chrétiens, n'est-ce pas? Donc ils sont nés parce qu'il y avait ce réveil dans Acte 2 quand l'église est née. Et Paul a appris qu'il y avait des chrétiens là-bas qui étaient fidèles, qui s'attachaient au Seigneur. Et Paul va leur écrire cette lettre. Il a eu le désir, il avait le désir d'aller là-bas, mais il n'avait pas eu le temps. Dieu n'a pas permis. À chaque fois, il veut y aller, mais Dieu ne voulait pas. Et il va leur envoyer cette épître en leur disant justement que il est déjà l'heure de nous réveiller. Peut-être dans la version du second, il a mis de vous réveiller, vous réveiller. Mais ici là, dans le grec, dans les textes reçus,
c'est écrit, c'est l'heure de nous réveiller. Paul, n'est-ce pas, voulait aussi vivre ce réveil. C'est l'heure, l'heure est déjà là. L'heure de nous réveiller. Paul, n'est-ce pas, considérait que lui-même aussi avait besoin de se réveiller. Parce que le réveil ne concerne pas seulement les autres. Tout le monde, frères et sœurs. L'église qui va partir à l'enlèvement, c'est l'église qui va se réveiller. C'est ce que Matthieu 25 nous dit. C'est l'église qui va vivre le réveil. C'est quoi le réveil? C'est une prise de conscience. On se réveille comme ça, on se dit non, là c'est fini. Je ne veux plus du péché. Je ne veux plus perdre mon temps dans les cancans, dans les histoires. C'est fini. Je ne veux plus prendre mon téléphone, appeler à gauche, droite pour savoir ce qui se passe. Ça ne m'intéresse plus. S'il y en a qui ne veulent pas avancer, moi je veux avancer. Le réveil. Alléluia. Frères et sœurs, quand il fallait restaurer, rétablir le temple de Jérusalem, Agée et Zacharie nous disent, ces deux prophètes, que Dieu avait réveillé l'esprit de Josué, le grand prêtre. Dieu avait réveillé l'esprit de Zorobabel, le gouverneur. Dieu avait réveillé l'esprit de tout le peuple. Pourquoi? Pour qu'ils se mettent à rebâtir le temple, à restaurer le temple. Le réveil, on ne le voit pas, on ne le voit plus dans notre assemblée. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas quand on chante, on donne sous l'onction qu'on est réveillé. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est une prise de conscience sur notre état. C'est la prise de conscience par rapport à la volonté de Dieu pour notre génération. La volonté de Dieu révélée pour ta vie présentement. Quel est le message que Dieu a envoyé sur la terre aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dit dans notre génération? Quel est le message central? Oui, vous me direz, c'est l'évangile. Ben oui, l'évangile, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu... C'est quoi l'urgence aujourd'hui, frères et sœurs? C'est de se repentir, de se préparer, n'est-ce pas, pour le départ. Parce que l'une des prophéties majeures, l'une des prophéties bibliques majeures, notamment à l'enlèvement de l'Église, est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, Paul dit la nuit est avancée. Ben oui, frère, c'est le cas. Alors, en travaillant, en méditant ce passage, un jour Dieu m'a montré à quel point la parole est vraie. Il m'a ramené dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Alors regardez, ce jour, l'autre jour je méditais ce passage, Dieu m'a dit mon fils, au commencement, je n'ai pas créé les ministères, les gens se battent pour les ministères. Au commencement, je n'ai pas créé l'église, les gens se battent pour les églises. Au commencement, j'ai créé le ciel. Il m'a dit, il faut chercher le ciel. Et la vision du ciel, beaucoup de chrétiens ne l'ont plus. Parce qu'on aura bourré le crâne avec la prospérité financière. Oh Seigneur, sauve-nous. On était à Saint-Martin, une femme chrétienne disait qu'un bishop est venu, je ne sais pas de quel pays, dans son assemblée, et il disait que chacun doit amener une enveloppe avec 23 euros, 23 dollars pour être béni. Mais ces gens-là, ils méritent la prison, c'est pas possible. Amen. Je dis aux Guadeloupéens qui sont là, Guadeloupéens, quand vous voyez des bishops qui viennent d'Afrique, qui viennent ici, vous devez prier pour qu'ils soient virés d'ici, qu'ils soient chassés d'ici, expulsés d'ici dans l'Orange. Amen. Qui vous amène n'importe quel évangile. Quand vous voyez des Américains venir avec un autre message, vous devez prier pour qu'on les chasse d'ici. S'il y en a ici, là même des docteurs, il faut prier pour qu'ils soient enfermés en prison. Et c'est là qu'ils vont se convertir, c'est possible. Parce que je vous dis, il faut, où sont les prophètes en Guadeloupe? Il y en a certainement, il faut qu'ils se lèvent de plus en plus. Frères et sœurs, l'heure est grave. Je vous dis, l'heure est grave. Ils viennent faire des séminaires, ils viennent commencer. Ça, c'est juste une parenthèse. Parce que quand j'enseigne, de temps en temps, je dois te dénoncer un peu. Ils viennent commencer les églises ici. Chacun a sa succursale ici pour venir pomper l'argent chaque mois. Vous savez, mon bishop, c'est comme Chambard. Il a imposé plusieurs femmes là-bas à Chartres. Et il vient tout tomber.
Les Antilles, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Une terre de charlatans. Vous avez des filles qui disent nous sommes des champions, ils se saluent majesté. Ils disent après les hommes majesté. Ça c'est Castan, c'est comment c'est. Ivan Castan, majesté. Si vous êtes là, si vous êtes déjà salué par ma majesté, vous devez vous repentir aujourd'hui. Parce qu'il y a un seul majesté seulement, c'est Jésus. On dit tu peux tuer, on va te payer, on va te financer. Vous voyez, et plein d'autres lois que vous connaissez. Eh bien, ce sont les ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi toutes ces maladies qui nous frappent. En priant pour des guérisons des gens, frères et sœurs, mais je vois des maladies que je n'ai jamais vues. Je suis choqué de voir le nombre des personnes qui sont atteintes du diabète. Problème de foie, problème de cancer. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Dieu dit, c'est les ténèbres qui frappent le monde. Notre génération connaît un taux très élevé de divorce dans les assemblées, n'en parlons même pas. Vous allez trouver dans chaque église, au moins, je ne sais pas, une église de 100 personnes, au moins 30 personnes qui sont divorcées ou mariées. Voilà notre génération, le constat. Les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi ce réveil de livré qui prend de l'ampleur, livré. Tout à l'heure, à la maison, avec des frères, je suis tombé sur un article, un pasteur à Londres qui vient de sortir avec 20 femmes qui étaient membres de son assemblée. Mais ça c'est devenu courant, ça c'est plus un problème aujourd'hui, là, c'est banalisé. Voilà les ténèbres, frères et sœurs. Les ténèbres, eh bien, les ténèbres sont telles que la lumière de la parole, mes amis, beaucoup n'en veulent plus. Les ténèbres sont là. Et le Saint-Esprit, il est où? Eh bien, il est en train de se mouvoir. Parce que, justement, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la lumière, dans toute la vérité, pour nous révéler Christ, pour nous montrer les choses à venir. Eh bien, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, laver les ténèbres. Justement. Les ténèbres. Ésaïe nous dit quoi, Ésaïe 61? Lève-toi et sois éclairé, illuminé, car la lumière arrive. Ah oui. Vous voyez bien que nous sommes dans Genèse 1. La lumière est en train d'arriver. C'est ce que nous attendons, Yeshua. Le jour du Seigneur. Paul dit la nuit est avancée. Eh bien, il parle ici. Paul, quand il parle, vous savez, il y a 2000 ans de cela. Donc aujourd'hui, les ténèbres sont vraiment, vraiment
Papa. Le nombre de satanistes qui viennent confesser devant nous et qui nous disent comment ils sont envoyés par le diable pour détruire les pasteurs que nous sommes dépassés. Quand je parle de satanistes, des gens qui pratiquent le vaudou, qui font des sorties astrales, qui vont traverser les murs, qui vont envoûter les gens, qui vont tuer. Vous pensez quoi? Mais la plupart, très peu, on ne sont pas de la religion. C'est pas une assemblée de religion ici, non. C'est l'assemblée des vrais enfants de Dieu que nous voulons. C'est pas le communisme, on va prendre du catholique, du protestantisme. Ça, c'est, il faut dénoncer tout ça. Non, frère. Les ténèbres. Et on le voit, ces ténèbres. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu autant de personnes possédées que maintenant. On voit comment les démons même nous menacent par des enseignements qui se lèvent, nous insultent. Qu'est-ce que vous venez faire dans nos assemblées? Ils nous disent cela. On dit, mais c'est une église. Mais oui, mais nous sommes, nous régnons ici. Ah bon? Les ténèbres. La nuit est avancée. Oh oui. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que notre génération a dépassé Sodome et Gomorrhe? Nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe. Jésus avait dit que ce qui arrivera à l'époque de Noé et de Lot arrivera pareillement. Et bien, on est en plein dedans, on a dépassé. Voilà, on est très loin. Quand on fait les dettes pour là, tout de suite, c'est des appels de fonds. Quelqu'un ici a 1000 euros, quelqu'un a 500 euros, quelqu'un ci, quelqu'un ça. Tout ça, on peut sortir de ça avec 10 000 euros. Voilà ce qui se passe. Les ténèbres. Les conversions, où sont les conversions? Où sont les conversions des Asta? Où sont les conversions des prostituées? Où sont les conversions, mes amis, des gens, même des autorités? C'est possible! C'est possible, frère et soeur! Il y a un problème. Les ténèbres sont là. Et il nous faut, nous devons nous réveiller. Comment voulez-vous réveiller les autres si vous-même vous êtes, vous n'êtes pas réveillé? Comment voulez-vous réveiller les autres si vous-même vous avez peur d'affronter les choses? Alléluia. C'est l'heure. Et Paul dit, le jour approche. Et regardez bien, nous sommes tous dans la Genèse. Hein. Le premier jour, le jour approche justement. Parce que les ténèbres, plus le jour approche, plus les ténèbres s'en vont. Mais dans Matthieu 25, on nous dit qu'à minuit, quand les gens, ces femmes étaient profondément endormies, et c'est là que quelqu'un est venu à minuit pour dire, voici le coup. Allez à la rencontre de votre pape. Cherchez à savoir où se trouve Chora. Dis à ton père de Chora, si vous voulez le sauver. Ah ben oui, pourquoi le pape? Voilà que vous courez après moi, moi je cours après Jésus. Ah ben oui. Quand vous allez arriver à la porte du ciel, il va dire non, 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 lui, la porte, vous allez vous appeler lui. C'est trop tard. Tout le monde doit être derrière Jésus. Amen. Ça, c'est ça. Le jour approche. Quel jour? Sophonie nous dit quoi? Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel, du jour de Yahweh? Du jour de Yahweh. C'est un jour, n'est-ce pas? Alléluia. Un jour d'angoisse. Mes amis, ça va être terrible ce jour-là. Ah, je vous dis, oh, je peux déjà voir des généraux se cacher sous les montagnes. Ça va être terrible, parce qu'il revient non comme l'agneau, il revient comme le lion. Et il va rugir. Il viendra manifester les œuvres secrètes de tous les habitants de la terre. Mes amis, ça va être quelque chose. Ça va être terrible. Moi, j'en tremble. J'en tremble. Le jour de Yahweh, le jour du Seigneur, Jean a été ravi, selon Apocalypse 1, jusqu'au jour du Seigneur. Et il a vu tout le
le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 4, si vous lisez jusqu'au verset 22, c'est le jour de Yahweh. Jean a vu. Jean nous dit la parole, nous dit la Bible. Jean était, mes amis, parfois troublé, étonné, quand on lui a montré la femme, Jézabel, la femme, la prostituée, qui enivrait tous les habitants de la terre avec son vin. Et bien, Jean était étonné. Et bien, cette femme, eh bien, laissez-moi vous dire, elle est là, cette femme. Elle est là. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, enfin, je ne me vois plus prendre mes enfants pour aller prier dans une église où Dieu ne va glorifier. Je ne peux faire que mes enfants gardent leur salut à la maison en priant avec eux plutôt que de les faire contaminer, mes amis là. Non, non, non. Alléluia. Oui, je vous dis, hein, cette femme, elle est là, elle a enivré beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Jean a vu le jour du Seigneur. Jean a vu les sept sceaux. Il a vu les cavaliers d'Apocalypse. Jean a vu les sept, mes amis, trompettes. Jean a vu, mes amis, les sept groupes de la colère de Dieu. Jean a vu les gens qui avaient la marque de la bête, qui pleuraient, qui maudissaient Dieu. Jean a vu des chrétiens authentiques persécutés par l'Antichrist. Jean a vu la bête. Le jour du Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés par rapport à ce qu'ils vivent dans les assemblées. Beaucoup n'en peuvent plus. Beaucoup sont déçus. Beaucoup sont blessés. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup pleurent. Beaucoup cherchent où se trouvent les vrais chrétiens. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je veux vous dire de la part du Seigneur, notre délivrance est proche de nous. Alléluia. Bientôt, c'est le grand départ. Beaucoup sont persécutés. Beaucoup souffrent à cause de leur femme, leur mari, tout ça, leurs parents. Mais je veux vous annoncer, mes amis, cet évangile pour que vous soyez préparés, fortifiés, mes amis. L'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme qui est profondément profond, hautement haut, grandement grand, longuement long, largement large, l'homme qui est spécialement, particulièrement spécial, le Dieu d'Israël. Ce Dieu, mes amis, est en train de revenir. Il a une épée aiguë qui sort de sa bouche. Il va frapper les nations avec la verge de fer. Le Mashiach. Oui, le Mashiach. Paul dit, le jour approche. Il a un jour qu'il a réservé, un jour où il va intervenir ouvertement dans les affaires des hommes, où il va mettre fin à ses amis, où il va fermer la bouche à nos détracteurs, frères et sœurs. Oh, alléluia, toi qui es persécuté, ne pleure plus. C'est ta formation, c'est ta préparation. Comment veux-tu gouverner des villes dans le royaume de Dieu, le royaume millénaire, si tu ne souffres pas d'abord? Tu es un soldat qui doit être préparé pour ce, alléluia, le gouvernement théocratique. Tu dois être taillé par le Seigneur. Je veux parler à quelqu'un qui pleure ici, qui souffre, qui n'en peut plus. Femme, tu es taillé par le Seigneur. C'est pour sa gloire. Dis à ton voisin, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Alléluia. Quand on se réveille le matin, qu'est-ce que nous faisons à part la prière? Pourquoi? Parce que nous avons des rendez-vous. Vrai ou faux? Frère, je vais vous dire une chose. J'ai un rendez-vous très galant. Oh oui, il y avait des choses. Mon bien-aimé. Je vous ai déjà partagé un secret familial. Vous voulez que je vous le partage? Vous comprendrez pourquoi il y a autant de gens qui sont touchés, autant de gens qui viennent. Vous savez comment ça se passe en Afrique? Mon père a sacrifié notre frère aîné. Bah oui, ça c'est juste parce qu'il fallait, du sang. On avait un frère aîné qui était pas mal, qui était gentil, et notre papa a sacrifié notre frère, notre grand frère, Jésus-Christ. Alléluia! Il a été sacrifié pour que nous
c'est l'heure. J'ai vu les visages, ils sont déroulés. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Waouh! Qui a eu peur? Il y en a qui se sont dit, ça y est. C'est ce que les gens disent, c'est la vérité. Je vous dis une chose. L'église qui partira, c'est l'église qui est sanctifiée par le sang de Jésus de Nazareth. Tout le monde n'est pas sanctifié par le sang de Jésus. Non. Son sang a coulé pour son épouse. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer cette église, une église glorieuse, une église sans tache, une église sans rides, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'une église, quand on parle des rides, c'est une église qui est, cette église, elle n'est pas vieille. Vous savez, toutes les religions sont vieilles. L'église catholique, elle est à la vieille. Protestante, c'est une vieille dame. Adventisme, c'est une vieille dame. Oh, les églises évangéliques, indépendantes, elles ont vieilli. Dites aux voisins, elles sont vieilles. Posez-moi la question, comment tu le sais? Parce qu'elles ne sont plus bouillantes. Elles ont des cannes, elles n'arrivent pas, je ne parle pas des femmes qui ont des cannes, tu vas les guérir, je le crois. Mais je crois les églises qui ont des béquilles spirituelles, qui n'arrivent plus à marcher. Quand on dit évangélisation, les pasteurs ne sortent plus parce qu'ils ont leur bureau climatisé, ils sont en costume et cravate. Ils ne peuvent pas marcher parce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas parler. L'église doit être enlevée, c'est une église qui est bouillante sur le sol. Le Dieu le plus beau, il ne veut pas n'importe quelle femme. Mais frère, c'est lui qui a créé la beauté. C'est lui, l'homme c'est lui. Mais il est plus que beau. Donc il veut une femme jolie, une femme belle. De manière à ce que quand les anges vont la voir, cette femme-là, ils vont se dire, oh là là, notre maître a vraiment choisi la bonne part. Et c'est grâce à son sang que tu es devenu beau. Oui, frère. Je peux être chaud, mais je suis beau grâce à Jésus. Parce que son sang a purifié, quand il arrive à nettoyer, ne laisse personne te minimiser. L'église bientôt va partir. Oh, alléluia. Quand la trompette va retentir, je vois mon frère Klein, il va monter avec moi. Pendant qu'on va monter, je vais lui parler, on va se parler. Vous vous rendez compte que pendant l'éternité, mes amis, on va être notre papa céleste. C'est l'heure, c'est même plus le temps de se. Mes amis, laissez les gens qui vous critiquent, laissez-les de côté. Oubliez même vos problèmes personnels. Amen. Ne t'arrête même plus sur tes ennemis. C'est la distraction. Tiens, ton problème, c'est la distraction. Alléluia. Amen. Ton problème ne doit plus être un problème. Amen. Si tu aimes Jésus, bien sûr. Amen. Je veux parler à une femme, je veux parler à un frère, à un homme qui pleure, qui n'en peut plus. Je veux te dire, toi qui cherches Dieu, toi qui aimes Dieu, t'inquiète pas, tu as choisi la bonne part. Tu ne t'es pas trompé, tu as choisi la bonne part. C'est une grâce, Dieu t'a sauvé, c'est une grâce. Et les gens que tu connais, ils sont morts, ils sont en enfer. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Parce que tu es ta fille, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ton haut et nous, il y a de l'espoir. C'est l'heure. Je veux dire à l'église guadeloupéenne, nous allons partir bientôt, frères et sœurs. On va aller rencontrer Abraham, on va aller rencontrer Isaac, on va aller rencontrer Jacob, on va aller rencontrer Jérémie, Esaïe, Joël, on va aller rencontrer les amis Jonas, on va aller rencontrer Paul, Pierre, Jacques et Jean, on va aller rencontrer Marie de Magdala, on va rencontrer frères et sœurs Lazare. Ça va être magnifique, le ciel est magnifique. Regarde comment le monde va mal, c'est l'heure.
Regarde les églises romanes, c'est l'heure. Regardez frères et sœurs, on a chassé Jésus des églises. On l'a remplacé par l'argent. On l'a remplacé par l'argent. On l'a remplacé par l'argent. Et il est comme le dit Apocalypse 3:20, il se tient à la porte et frappe. Il dit ceci. Hier à Saint-Martin, tu sais, pendant que je parlais de cela devant tout le monde, le Seigneur me parlait en même temps. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. C'est dans Apocalypse 3:20. Le Seigneur me crie à la porte et frappe. Il dit quoi? Pendant que je prêchais là-dessus, il me parlait en même temps, il me dit hier à Saint-Martin, il disait, mon fils, je ne vais pas dire si en frappant la porte, je ne vais pas dire si l'église, les églises m'entendent, mais je vais dire si quelqu'un m'entend. Il me dit, c'est parce que je veux une relation personnelle. Il me dit autre chose. Il me dit, mon fils, voilà, je prêchais. Il me dit, tu vois, ça c'est la conclusion de cette lettre que j'ai envoyée pour cette église. Je me retrouve dehors. On m'a chassé de la majorité des assemblées. Il me dit ceci. J'ai envoyé cette lettre, sept messages aux sept églises. Pourtant, à la fin, alors cette église avait reçu ces lettres, comme la Bible, la parole. Mais à la fin, il dit, je pars de nouveau en disant, si quelqu'un entend ma voix. Or, la voix de Dieu, c'est sa parole. Malgré la parole que nous avons reçue, malgré les enseignements que vous avez reçus, malgré les séminaires, n'est-ce pas, que vous avez été enseigné, le Seigneur de nouveau, il vient et dit, si quelqu'un entend ma voix. Et il dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger, un mercenaire. Si hier tu as suivi bêtement les hommes, aujourd'hui, femme de Dieu, homme de Dieu, aujourd'hui c'est l'heure d'écouter la voix du Maître. Vous ne voyez pas qu'il est en train de vous appeler. D'abord, il vous a demandé de sortir du péché. Il y a des gens ici, Dieu leur a dit, sortez de vos églises. Il y a des gens ici qui résistent encore, et plus ils résistent, plus Dieu, n'est-ce pas, touche les gens pour qu'ils les persécutent. Je vous dis, tu as reçu la pensée de Dieu. Dieu t'a ouvert les yeux, tu commences à voir les choses clairement. Tu n'es plus dupe. Tu as le discernement. Mais à cause des sentiments, tu dis non, je veux quand même tout ça. Et plus tu réagis comme ça, plus Dieu se sert de ce pasteur pour te cribler. Et Dieu dit, mon enfant, c'est moi qui le permets. Parce que ton église locale était devenue ta béquille. Et tes amis chrétiens étaient devenus ta béquille. Dieu veut d'abord t'y sauver. Il veut d'abord que tu aies une relation avec lui. Il veut d'abord que tu développes ta communion avec lui personnelle. Et ensuite, tu pourras aller voir les autres. Voilà pourquoi tu es persécuté. Tu cherches l'approbation des hommes. Dieu dit, si tu cherches à être approuvé par les hommes, je veux te disqualifier. Ta vie chrétienne par rapport aux autres. Tu vivais ta vie chrétienne, tu consommais l'église, tu consommais la relation avec les uns les autres. Dieu dit désormais tu vas consommer ma présence, désormais tu vas consommer ma parole, ensuite tu pourras aller voir les autres. Oh, alléluia. Tu ne vois pas que Dieu est en train de te sortir de quelque part, tu ne vois pas que Dieu te sort de Babylone, que Dieu te sort de ta condition, parce que c'est l'heure. C'est l'heure, chrétien. C'est l'heure, enfant de Dieu. C'est l'heure, mes amis. C'est l'heure. Aucun pasteur, ni moi, ni qui que ce soit, n'est mort à la croix pour toi, pour moi. Il y a un seul homme, un seul qui est mort à la croix. Un seul a versé son sang. Un seul a dit tout est accompli. Un seul a vaincu Satan. Un seul a vaincu le péché. Jésus de Nazareth.
dans le trône. Toi qui es blessé, toi qui n'en peux plus, toi qui es fatigué, on t'a donné un poste pour te retenir. Et Dieu vient et dit, mon peuple, sortez du Éden. Mon peuple, sortez. Prenez vos jambes à vos coups, courez de là. Sortez de ce lieu, de ce repas des démons. Sortez de ce Babylone. Sortez de ce lieu où vous étiez contrôlé. Sortez de là. Allez vers la montagne de Sion. La montagne de Sion. Je lève les yeux vers le mur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Des gens baptisent des pendaires.
Ce sont des hommes et des femmes solitaires. Ils sont comme du vent. On ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les mettre dans une boîte. On ne peut pas les mettre dans un moule. Ils ne sont pas formatables. Ce sont des fous, des passionnés, des folles. Et des gens qui sont persécutés, qui sont rejetés. Mais ils n'ont aucune étiquette. Ils suivent le Seigneur partout comme les 144 000. Partout où le Seigneur passe, ils sont là. Et non, ils marchent avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. C'est vrai que ça fait des années que tu souffres. Ne penses-tu pas que Dieu soit capable de changer ta situation en un clin d'œil? S'il ne le fait pas, c'est parce que tu es dans son école. Il peut te former pendant 30 ans pour 3 ans de ministère seulement. Il fait ce qu'il veut. Il sait que tu penses que il tarde un peu. Il y en a beaucoup, hein? Oh, Marie-France, Dieu sait. Dieu sait, il te dit, ma fille, je sais. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y en a beaucoup ici, Dieu me montre qu'ils sont à l'école du Seigneur, à l'école de la souffrance, à l'école du rejet. Dieu nous a mis dans ce désert. Il y en a qui n'en peuvent plus. Il y en a qui veulent tout abandonner. Il y en a qui ont des pensées terribles, qui sont épuisés, qui ne savent plus comment prier. Parfois, c'est difficile pour toi de méditer la Bible. Tu sais, parfois, tu ne sais pas quelle parole sortir. Tu as tout essayé, femme. Tu as tout essayé, homme. Le Père, ce soir, dit, il est l'heure. Il est l'heure. Grande sera ta couronne. Dieu voit ta détermination. Dieu voit ta détermination, ma sœur. Il voit. Celui qui a créé les yeux, il voit. Celui qui a créé les oreilles, il entend. Oui. Il sait combien ton cœur est blessé. Il sait combien cet homme a été méchant avec toi. Il sait combien ta belle famille est dure. Il sait combien les voisins t'ont fatigué. Il sait combien cet homme t'a chargé. Voici la main de Dieu sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. La lumière qui est en toi afin que tu éclaires les autres. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que Dieu veut que tu sois comme une torche pour les autres, comme un flambeau pour cette génération perverse et corrompue. Dieu veut faire de toi une référence en matière de consécration, en matière de sainteté. Quand on parlera de la sainteté, on verra aussi ta vie. Quand on parlera de l'amour, on verra ta vie. Quand on parlera de l'humilité, on verra ta vie, parce que tu seras un exemple pour les autres. Quand on parlera de la guerre, on pensera aussi à toi, parce que Dieu fait de toi un combattant, une combattante. Tu vas triompher parce que la guerre a été déjà remportée. Tu ne combats pas pour remporter la guerre a déjà été remportée. Tu vas te maintenir dans la victoire que le maître a acquise pour toi à la croix il y a 2000 ans. Il a dit tout est accompli, tout est accompli. Voilà ce que Dieu te dit. Tu n'as rien à faire, ce serait que de l'adorer. C'est l'heure de l'adoration. C'est l'heure de l'adoration. C'est l'heure.
l'heure de l'adoration. Nous devons nous préparer dans l'adoration. Nous devons nous préparer dans la louange, dans la vie de tous les jours. C'est l'heure d'adorer davantage le Maître. Achète-toi une guitare. Achète-toi un piano chez toi. Même si tu ne sais pas jouer, c'est pas un problème. Commence à jouer à la maison. Commence ma soeur à faire de la guitare. Tu verras la gloire de se manifester. Commence à louer Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des techniques vocales. Dieu a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, alléluia. Je le prends, je le joue, même si je ne sais pas vraiment jouer, mais je le joue, j'adore mon père. Papa, je t'aime, j'adore, et sa présence vient vrai. Je suis guéri, consolé, au nom de Yeshua. J'ai pas besoin des grandes stars de la vie, la musique chrétienne, frères et sœurs. On n'a pas besoin de stars. Nous avons besoin d'adorer le Père en esprit, en vérité, frères et sœurs. Nous voulons nous sacrifier, nous voulons l'adorer réellement. Quel est notre Dieu, mes amis? Tout genou cessera et tout. Thank you.
faire. Vous savez, parfois quand on souffre, on ne voit plus Dieu qui nous aime, Dieu qui est là. On est focalisé sur les problèmes parce qu'on est humain, on a des faiblesses. Et Dieu vient et nous dit c'est l'heure. La nuit est avancée. Regardez, c'est l'heure. Tu sais que Dieu t'aime. Oh. Tu aurais pu mourir, on aurait pu mourir sans le connaître. Plus tu l'aimes, plus tu vas souffrir. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Il a dit, reste-toi encore 2 jours. Si tu souffres alors que tu le crains, c'est parce que justement, il veut que tu participes à sa souffrance afin de régner avec lui ce jour-là. Amen. Quand tu porteras pendant l'éternité ta couronne. Oh oui. Paul disait, j'ai les marques de Christ sur moi. Ça m'arrive aussi parfois de me dire, j'en peux plus. J'arrête. Mais parfois je te dis, quand ça m'arrive, je me dis, mais où irai-je? Je suis déjà dans la barque. Vous savez, c'est l'heure. Donc t'as pas le choix. T'as plus le choix. Tu es obligé de réussir. D'arriver jusqu'au bout de ta mission. Et le jour de ta mort, si le Seigneur ne revient pas, tu partiras avec le sourire. Quand les anges viendront te prendre, oh mes amis, avec le sourire parce que tu auras achevé la mission du Père. Amen. Tant que la mission n'est pas finie, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Les médecins peuvent parler. Ce ne sont pas eux qui ont été au commencement. Au commencement était la parole. Oh ma mère. Même si tu es dans le cas de Jonas, le poisson qui t'a avalé, il va t'emmener à destination. Parce que tu vas finir l'œuvre. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de la mort. Nous ne pouvons pas mourir avant le temps. Si nous craignons Dieu, moi j'ai pas peur. C'est fini. Tu mélanges de temps à autre, oui. Mais non. Tout l'honneur, tu restes merci. C'est le chant que les anges chantent en ce moment. Il y a des classes d'anges, des armées d'anges que tu as dépêché par l'eau. C'est glorieux. Ces anges ont des païens. Ils sont nombreux dans toute l'île. Ça chante, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte. Et ils chantent ce cantique. C'est glorieux.
Voilà, ici, viens ici. Démon, c'est un ordre que je te donne. Amène-moi ce corps ici. Voilà. Oh. Tu ne peux plus détruire cette femme. Viens ici, au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit, au nom de Yeshua, cette onction te contre à venir ici et tu vas quitter cette femme. Au nom de Jésus. Je vous dis, les démons ont peur ici. Ton démon va quitter ta vie définitivement au nom de Jésus. En fait, ce démon est surpris par le Seigneur, comme d'habitude. Cette femme est entourée d'une nuée, d'une colonne de feu et d'une nuée, et ce démon brûle. Le corps ne peut pas être consumé. Alors, il veut sortir et c'est pas fini. Il y a un deuxième démon qui veut quitter un corps. Pendant que cette femme-là, tu vas venir ici, toi-même, au nom de Jésus. C'est un ordre, hein? L'ordre a été donné. Il y a un deuxième démon qui provoque des douleurs dans la vie de cette personne qui est venue ici. Ouais. Le Seigneur est en train de te libérer. Ce démon, tu vas le vomir aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Ta délivrance va être définitive aujourd'hui. Toi qui assises là, tu vas là. Ce démon est en train de remonter. Je te donne un ordre. Tu vas quitter cette personne. Tu vas la quitter. Tu vas la lâcher. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus, sortez, sortez, sortez. Sortez. Au nom de Jésus, sortez, sortez. 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 Voilà. Amenez un sachet là pour le vomir. Oh Jésus de Nazareth. Voyez, après avoir adoré Dieu, le Seigneur descend et les démons commencent à sortir, les maladies commencent à partir au nom de Jésus. Il y a un troisième démon, c'est un dornis. Un dornis qui pollue une personne ici. On t'a jeté un sort. Ce dornis est en train de contrôler ta famille. Oh, alléluia. Le Seigneur est en train de briser la puissance du célibat dans ta famille. Il est en train de briser la puissance du célibat dans ta famille, au nom de Yeshua. On vole le mariage dans ta famille. Le Seigneur vient sur toi, il pose sa main sur ta vie et il est en train de te rendre libre, libre. Tu peux la sortir, sortir de ce nom de Yeshua. Oh, tu es libre. Viens, 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 viens. Dieu t'aime. Lâche-la, quitte-la, 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 quitte-la
On acclame Jésus de Nazareth. Je suis grand.
crois que le Seigneur continue à guérir encore aujourd'hui. Il veut guérir son peuple. Gloire à Dieu. Tu as beaucoup chanté. Tu as beaucoup joué. Beaucoup chanté, beaucoup joué. Et beaucoup aidé et ouvrir les yeux des gens avec la parole. Mais tu vois, de plus en plus pleurer, de plus en plus subir le rejet, la persécution. Mais il y aura une couronne si tu persévères. Ça va? Ça va pas? Le bras cassé. Vous pensez que Dieu peut guérir? Qui croit que Dieu peut la guérir?
Yeah.
Même si on ne nous a pas touché, là n'est pas le problème, c'est le Seigneur qui nous touche. Pour les personnes qui ont des maladies incurables, demain on va, si Dieu le permet, faire une motion de foule comme la parole le dit, sur toutes les personnes qui sont touchées par la médecine. Et c'est glorieux. Quand on voit des âmes retourner vers le Seigneur, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On aime le Seigneur, on aime la Guadeloupe. Cette île me touche particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Et je comprends quand même pas, je peux comprendre parce que j'ai des frères et des sœurs ici. Amen. J'ai des grands frères, des grandes sœurs, des mères, des pères, des enfants de Dieu qui aiment le Maître. Un noyau des gens qui aiment le Maître. Grâce au Seigneur, on va y arriver. Vous nous autorisez d'aller baptiser les gens. Amen. Amen.